Bonjour Véronique. Bonjour Kevin. Euh, cette semaine, c'est la semaine mondiale du glaucome. On voulait en parler. Et justement, il y a une découverte de chercheurs qui a été faite ici même au Québec qui donne beaucoup d'espoir aux quelques 400 000 Canadiens qui vivent avec cette condition. Puis on en parle aujourd'hui avec une chercheure associée à ce projet. Effectivement, on le docteur DiPolo qui est avec nous. Et avant de nous parler de la découverte que vous avez faite, j'aimerais ça que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est le glaucome. Donc le glaucome, c'est la principale cause de cécité irréversible au monde. Il y a plus de 60 millions de personnes affectées par le glaucome. Et c'est une maladie irréversible. Ça veut dire qu'une fois que la personne a perdu la vision ou le champ de certains champs visuels, euh, une partie du champ visuel, c'est irréversible et ça revient pas. Il n'y a aucun traitement possible ou connu pour l'instant. Il n'y a pas de traitement possible connu pour le glaucome. La seule chose qu'on peut faire jusqu'à date, c'est de réduire la pression intraoculaire, donc la pression à l'intérieur de l'œil. C'est un facteur de risque majeur pour développer le glaucoma. Donc, les traitements sont limités à des gouttes pour réduire la pression intraoculaire ou la chirurgie pour réguler la pression. Mais il n'y a pas de traitement pour récupérer la vision, par exemple. La meilleure façon de le diagnostiquer, j'imagine que c'est d'aller voir un optométriste ou un ophtalmologiste pour détecter les premiers symptômes. Exactement, exactement. Et ce, euh, malheureusement, ce qui se passe, c'est que les patients se rendent compte qu'ils perdent le champ visuel trop tard dans pro la progression de la maladie. Est-ce que c'est parce que les symptômes sont trop subtils au départ ou... Exactement, les, les symptômes sont subtils au départ, donc on a une perte de vision, mais le cerveau est très bon pour compenser mmh. cette perte de vision, donc on se rend compte nécessairement qu'on ne voit pas dans certaines parties de notre champ visuel. Donc, on imagine qu'après un certain âge, c'est important d'aller voir son spécialiste régulièrement pour le prévenir. Absolument, parce que l'âge, c'est un autre facteur de risque important pour développer le glaucome. Au niveau euh, microscopique, pour se faire une idée de comment le, le glaucome se manifeste, on a une image qui est assez évocatrice mm -hmm. pour bien faire comprendre mm -hmm. à nos téléspectateurs. Euh, c'est un schéma au niveau microscopique, comme je le dis, vert sur noir. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on voit sur cette loupe? Absolument. C'est une microphotographie en fait des neurones de la rétine qui vont mourir lors du glaucome. Et euh, vous pouvez voir euh, au centre de l'image euh, la partie plus verte, c'est mm -hmm. le corps du neurone, mm -hmm. et autour de ça vous pouvez voir aussi les prolongements fins qu'on appelle les dendrites, comme mm -hmm. des arbres, un petit peu comme des comme feuilles des arbres, qui, ou des branches. Des sur, branches euh... d'arbres, mm -hmm. c'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre dendritique. Mm -hmm. Et les dendrites, c'est très intéressant parce que c'est comme une espèce d'antenne que les neurones vont émettre pour recevoir des milliers de signaux euh, sur des petits points qu'on appelle les synapses. Et c'est vraiment très important pour la transmission de l'information visuelle de la rétine au cerveau. Et c'est ces synapses-là qui se mettent à plus fonctionner à un moment. Ou... Et ce qui se passe lors du glaucome, ce qu'on a appris récemment dans les derniers 5-6 euh, ans, oui. c'est que l'antenne va se rétracter, les dendrites vont rétrécir, Comme des Femmer, fort, qui un peu comme une ouais. fard, Exactement. Exactement. Puis on n'aura plus la perception de ces signaux qui sont essentiels pour la vision. Et là jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment d'espoir sur la manière que réverser la situation, retourner la vapeur, renverser la vapeur, je devrais dire. Mais là, de dernières découvertes, notamment avec un semblant d'insuline, euh, donne de l'espoir sur une manière de, de changer la donne. Oui, exactement. Donc, pourquoi on a choisi l'insuline quand on parle de l'insuline, on pense enfin, immédiatement diabète. au diabète. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'insuline appartient aussi à une famille de protéines qui s'appelle les facteurs de croissance. Et les facteurs de croissance influencent beaucoup le fonctionnement des neurones. L'insuline, spécifiquement, va parler aux neurones est important pour le fonctionnement de ces neurones-là, dans la rétine aussi. On a décidé d'essayer le rôle de l'insuline pour la régénération des dendrites. Après que l'antenne avait Famé. rétracté, est-ce qu'on est qu peut la. Euh... Reverser ce changement. La réactiver. La réactiver. La revitaliser et les, les premiers résultats sont positifs. Ils sont très positifs. Donc, des dans des modèles euh, des lésions du nerf optique et même d'augmentation de, de la pression oculaire, okay. comme lors du glaucome, on voit que l'insuline, quand on commence ce traitement après que l'antenne est est capable de restaurer, de ouais. re euh, lancer ces processus. une forme de goutte qu'on met dans l'œil, dans, oui, dans ce cas-là. Ouais. Oui, oui. Wow. Une goutte ophtalmique euh, qui permet ce, euh, le réversement de ces changements. De Et là, on n'est plus dans un traitement préventif, on est vraiment dans un traitement curatif wow. pour une personne qui est atteinte de glaucome depuis des années, qui a déjà perdu la vision. Est-ce que ça pourrait lui permettre d'en récupérer? Ce qu'on pense, c'est que euh, ce type de stratégie est un beaucoup d'espoir de, pour les patients du glaucon, mais il faut être clair que c'est pour les neurones qui sont malades, mais pas mortes encore. Donc, on peut réverser ces changements pathologiques de nos neurones qui sont encore là. Sont on peut renverser encore. le phénomène s'il n'est pas terminé, en fait. Exactement. Donc, okay. et les neurones qui sont morts qui ont causé déjà une perte de vision, ça, on ne peut pas récupérer. C'est comme vraiment euh, la fin de, de, du neurone. Mais c'est pas que toutes les neurones... tous les neurones vont mourir en même temps. C'est un processus graduel. Donc, et on a toujours des neurones qui sont encore malades, mais encore là, uh -huh. Donc, on peut faire peut-être quelque chose pour ceux Mm -hmm. euh, ce neurone. Puis pour savoir si nos neurones sont encore, je vais dire, vivants, mm -hmm. j'imagine qu'une personne qui a encore un résidu visuel, absolument, envoie un signal que certains neurones sont encore vivants. Exactement, wow. exactement. Okay. Donc, euh, on peut restaurer un peu de cette vision. Et ce qui est particulièrement intéressant dans, dans cette recherche-là, c'est que l'insuline, c'est un médicament que l'on connaît bien, qui est admis dans beaucoup de médicaments, dans beaucoup de cercles. Mm -hmm. euh, donc, ce qui fait en sorte que ça peut laisser croire qu'on va rapidement arriver à un médicament. Oui, donc c'est une drogue assez sécuritaire qu'on utilise déjà pour le diabète. C'est quelque chose qui est accessible. On connaît beaucoup de l'insuline, on l'utilise depuis des décennies. Oui. Donc avec nos collègues au CHUM, les docteurs euh, Laoud et Agoumi euh, et euh, le docteur Wang, on commence à parler, à planifier euh, les essais cliniques pour utiliser l'insuline. C'est des essais cliniques euh, exploratoires pour voir si on peut est euh, encore sécuritaire lors du glaucome et puis après euh, on va planifier des études d'efficacité est-ce qu'on a un, un temps en tête est-ce qu'on peut avoir une espèce de d'idée sur combien de temps <laughs> c'est -ce une question très qui, qui... <laughs> il y a beaucoup de gens qui me posent cette question ouais, c'est difficile bien. à dire on, on travaille fort on essaie de de faire ça bouger le plus ouais. rapidement possible, mais on peut pas dire exactement. Ça dépend des résultats qu'on va ouais. voir dans les études préliminaires pour voir comment ça progresse. Au niveau clinique. Si j'ai bien compris, il faut d'abord que vous testiez la goutte pour voir les effets que ça pourrait avoir avant de tester sur des patients euh, les effets de l'insuline sur les dendrites. Exactement. Donc d'abord, on fait un essai de, de, sécuri... de, 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 de sécurité, de sécurité euh, sur les patients de glau... de, qui attendent du glaucome et après un, un essai d'efficacité de, pour voir si on peut avoir une inversion de restauration de la vision. Puis maintenant qu'on a observé là, ces, ces conséquences insoupçonnées là, de, de mm -hmm. l'insuline, est-ce qu'on peut penser qu'on pourrait la dupliquer pour d'autres maladies dégénératives? Oui, et ça, c'est une, euh, une, une ouverture de, de recherche qui, qui ouais. existe là, parce qu'il y a d'autres maladies euh, neurodégénératives qui ont des problèmes aussi de rétraction des synapses, de rétraction des dendrites et perte de synapses, comme l'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et d'autres. L'insuline est déjà en train d'être explorée pour la maladie d'Alzheimer, donc mm -hmm. on espère que ça va aussi progresser de ce côté-là. Mais ce que notre étude a démontré qu'il y a des voies de signalisation en aval de l'insuline qui sont importantes aussi okay. pour récupérer les dendrites et les synapses. Et on espère que cette information va nous aider aussi pour ces recherches. Adriana DiPolo, merci beaucoup d'être passée. Merci à vous. C'est mon plaisir. C'est fort intéressant. Merci.